Je vais vous lire un petit peu quelques retours de parents qu'on a eu la chance d'avoir. Les parents nous disent qu'il y a une transformation du rapport parent-enfant. Ils les considèrent vraiment maintenant comme des interlocuteurs pensants. Maintenant, je le vois grandir. Ils ne sont pas si bébés que ça. Il donne son avis maintenant. Maintenant, on considère l'enfant comme un être à part entière et non comme une bouche à nourrir. On voit qu'il y a un impact direct dans la cellule familiale. Il y a un parent qui nous a dit que c'est la seule chose qui a un retour à la maison à l'heure du coucher. Curieusement, c'est vrai que les enfants aiment bien en parler au moment du coucher. On peut continuer à en parler. Maintenant, on est obligé de leur dire la vérité. Alors attention. Avant, les garçons, ça n'est pas dans les choux, les petites filles dans les roses, hein, parce que quand on fait fille-garçon, c'est pareil, c'est pas pareil. Où est-on avant de naître? Forcément, on est confronté à une autre vérité que celle que papa et maman peuvent nous dire. Avant la fessée, maintenant, on prend le temps d'expliquer. Maintenant, on essaie de montrer l'exemple. On voit aussi, ils nous disent qu'il y a aussi un retour dans la fratrie des enfants qui se positionnent par rapport à leurs frères et sœurs. Moi aussi, j'ai le droit de parler, de décider, certains enfants arrivent à dire. Et puis, il y a une évolution dans la construction de la réflexion. Une maman qui nous a dit, maintenant quand ma fille elle parle, elle dit, attends, je réfléchis. Donc, il y a énormément de transformations qui agissent. Il y a aussi des enfants pendant les séances qui vont se permettre d'interpeller leurs camarades. Vous allez voir dans le film, il y a un petit garçon qui dit « Mais laissez-moi parler, maintenant c'est mon tour, j'ai quelque chose à dire, écoutez-moi. » Donc, alors que en classe, traditionnellement, c'est un enfant effacé qui ne va pas forcément parler, qui va avoir peur de l'autre. Et là, d'un seul coup, je me positionne, moi aussi je suis quelqu'un de valable, j'ai quelque chose à dire et tu dois m'écouter et puis tu vas rebondir sur ce que je te dis ou pas.